Et si tu n'es pas aujourd'hui, tu n'es pas d'un tel parti, tu n'as pas les choix, même la liberté de t'exprimer librement. Et qu'on a vu vraiment, il y avait vraiment tas de choses qui peuvent vraiment te justifier ce coup d'État. Mais pour l'instant, quand même, on reste optimiste. Quand on a vu le comportement du président de la République qui s'est mis dans une posture de pouvoir relancer des choses, malgré que le contexte a été très compliqué. Mais quand même, d'un autre côté, on voit, si on voit encore la situation du pays, la situation, les calvaires dans lesquels vivent les peuples nigériens, la question de l'insécurité. Hein?